Maître Martouche, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement d'une manière globale. Le chef de l'État a reçu le week-end dernier le grand chef coutumier Mwantiav. Est-ce que pensez-vous qu'il y a un lien par rapport à cette rencontre avec la province de Lualaba? Il n'y a pas de... Notamment sur le plan politique avec les agitations qui sévissent. Il n'y a pas de lien en rapport avec la province de Lualaba par le fait que lui, c'est un chef coutumier. Il est parti plaider le problème de son frère, de son fils, Moyej Mwangez Mons, parce que ça n'engage pas la province. Il est parti en tant que chef coutumier. Je ne veux pas dire ici que Mwantiav représente tout le Lualaba. Il est le numéro un de tous les chefs coutumiers du Lualaba non plus. Il est parti là-bas pour plaider la cause de Moyej en tant que Rund, partisan de sa tribu, comme lui, chef de sa tribu. Mais je ne pense pas qu'il y a des liens avec la province, parce que Moyej, en tant que gouverneur de province, il est taxé de mes gestions. Il n'est pas un modèle de la gestion des finances de la province, ni en haut public. Après tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, les mensonges, des escroqueries médiatiques tout autour d'un sobriquet qu'on appelait Papa Solution et tout ça, moi, pour le moment, je peux vous dire que c'est un confusionniste. Moi, je ne pense pas que la démarche du grand chef Mwantiav, j'ai beaucoup de respect envers lui, s'inscrit dans le cadre institutionnel. Ça, c'est un truc privé, mais ça n'engage que Mwantiav lui-même. Alors qu'au sorti de cette audience, Mwantiav a parlé d'une réception de tout son message à l'égard de la vie sociale de Lualaba, qu'il a pu plaider devant le chef de l'État. Et vous parlez de Moyej. D'où avez-vous tiré ces informations ou ces suggestions, ces supputations? Permettez-moi le terme. Mon frère, je vous dis ici qu'il y a un groupe de grands chefs coutumiers du Lualaba qui se sont soudés derrière Madame le gouverneur de Fimasuka. D'après la vérité, n'est-ce pas, les dénonciations qui étaient faites tout autour de la gestion opaque de la province du Lualaba. Aujourd'hui, les chefs ont réalisé que nous devons soutenir cette grande dame qui nous a amené la lumière sur la gestion de nos institutions, parce que l'intérêt de notre population y va ensemble. Donc, ce que moi je veux dire, c'est que Mwantiav inscrit sa démarche dans le cadre de sa tribu. Ça n'a rien à voir avec les institutions. Si peut-être le gouverneur Moyej a un problème avec un villageois de son village, il a peut-être pris ses vaches, il a pris ses chèvres, ses poules, ainsi de suite. Je pense que c'est dans ce cadre, Mwantiav peut aller plaider chez le chef de l'État. Mais je ne pense pas que dans le cadre institutionnel, ça peut intéresser Mwantiav. En tant que notable, oui, en ce qui concerne la sécurité, la situation sociale de son peuple, oui, bien sûr. Mais Moyej est taxé de gestion et de détournement de fonds. Il est cité dans beaucoup de choses. Nos abondes, des trucs sales. Donc, ça veut dire que revenir, Moyej, si revenir à la tête de la province, c'est une façon de saboter, une façon de salir, n'est-ce pas, l'ambition de l'Union sacrée de la nation qui est caractérisée par la gestion et la bonne gouvernance. Si je vous comprends, donc la démarche entamée par le grand chef Mwantiav est tronquée? Non, oui, bien sûr. C'est-à-dire que lui-même, Moyej est derrière la démarche de Mwantiav. Il lui donne l'argent, va plaider pour moi, pour faire voir aux gens que nous, les coutumiers sont derrière moi. Moi, je veux vous dire ici que Mwantiav, c'est son chef, le chef de la tribu du gouverneur Moyej. Il ne peut que faire ça parce qu'il a besoin de voir un Rund régner à la tête de la province, comme c'était l'habitude, de voir les noms qui terminent avec les Wang, les Wen, les Kabuit, en train de gagner les avantages. Mais ici, le problème, c'est l'institution. L'institution, c'est un problème d'intérêt général. Il y a des organes compétents, l'IGF, nous avons la justice, nous avons les gens qui peuvent gérer, veiller au fonctionnement des finances de la province. Vous parlez de la gestion de Moyej alors que la province de Lualaba était plébiscitée comme meilleure province à travers la République démocratique du Congo. Au regard des réalisations faites par Richard Moyej en tant que gouverneur de la province. Bon, oui, bien sûr, mais ça c'était juste des rumeurs. Les gens ont statué en fonction des rumeurs. L'escroquerie que cette cellule de communication en temps de mesure pour mettre sur les réseaux sociaux, ils ont pu payer des chaînes nationales, numériques, analogiques, les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les médias classiques, pour vendre les mensonges. Mais je vous dis que dans le Lualaba, il y a des avenues qui ne sont pas asphaltées. Il y a des coins où il n'y a pas de courant, où il n'y a pas de l'eau. Vous comprenez? Il y a des gens qui souffrent. Moyej a fait fonctionner les agents du gouvernement. La législature passait ces deux ans. Les gens n'étaient pas investis, ils n'avaient pas de statut juridique. Comme cette année, tous ceux qui se font passer pour les conseillers, cellules de communication, tous ces gens n'ont pas de soubassement juridique, ils n'ont pas de statut juridique. C'est-à-dire que, vous comprenez, Moyej est parti même plus loin pour troquer même les maisons de l'État, les donner à un sujet libanais. En contrepartie,
les services rendus en termes de Bunga et ainsi de suite. Vous comprendrez à ce niveau-là que toutes ces choses n'étaient pas vendues. Ce qui était vendu, c'était juste cette escroquerie-là. Et maintenant, c'est le temps du grand chef mondial. Au lieu de s'occuper des autres histoires, d'autres problèmes, vous allez plaider pour quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État afin que celui-ci revienne à la province, quelque chose qu'il a pu comme bébé. Nous, disons non. Maître Mardoché, avez-vous un problème particulier avec Richard Miège? Nous n'avons pas un problème particulier avec. C'est un routier en politique, c'est quelqu'un que nous respectons par rapport à son combat politique. Mais nous disons que lorsque Dieu vous donne des compétences, des qualités, vous comprenez, des valeurs, il faut mettre ça au service du bien. Vous comprenez? Alors, si quelqu'un prend ses qualités, ses compétences, au service du mal pour se satisfaire sa famille politique, sa famille biologique, s'attribue surtout, vous voyez que ça, c'est une antivaleur. Faire revenir Mouyège à la tête de la province, serait une insulte aux efforts de Tshisekedi du président public qui prend l'état de loi et la bonne gouvernance. C'est-à-dire, ce qui est ici, c'est soutenir la voie de la vérité, qui est celui de voir tout celui qui met la main sur la chose de l'État, il doit être puni sévèrement pour servir les leçons aux autres. Mouyège n'est pas notre ennemi, nous le respectons beaucoup. Vous parlez de la voie de la vérité, que voulez-vous insinuer par là? Je veux dire que la telle la promesse de là-bas, l'unique, parce que je veux dire que tout autour du gouverneur Mouyège, il y a des hommes très intelligents, des juristes, des anciens routiers politiques qui n'ont pas réuni leur courage pour lui dire que vous êtes en train de gérer mal. Mais l'unique qui a eu le courage de dire la vérité sur la gestion, n'est-ce pas, de la province, c'est Madame vice-gouverneur. Moi, je ne suis pas masochiste, mais je soutiens la vérité qui est sortie d'une femme. Et surtout que c'est une femme sur toutes les 26 provinces de la République. Cette grande dame a fait la différence pour comprendre que le chef de l'État vient et puis son combat est en train de payer. C'est ça les résultats de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes de la société civile. Au regard de votre position, vous semblez être partisan. Je ne suis pas partisan. Je vous dis la vérité. Allez-y, fouillez ce que je vous dis, c'est la vérité. La démarche de Mondial, c'est une démarche qui rend le cadre tribal. Donc c'est sa tribu qui est en train de plaider pour qu'un round qui était à la tête de la province revienne. Mais ça, c'est un problème institutionnel. Quelqu'un qui est taxé de gestion, c'est-à-dire il est entre les mains des organes compétents qui doivent exalter la situation et nous donner un verdict définitif. Donc ça n'a rien à voir avec les coutumiers. D'abord, je vous dis, il y a un bon nombre de coutumiers qui soutiennent Madame la vice-gouverneure et sa position, n'est-ce pas, pour servir la vérité et soutenir la vision du chef de l'État. Maître Mardoché, nous vous disons merci. Merci beaucoup.